He's saying it through his heart. Because I knew. Mes relations sont sincères. Et quand je dis quelqu'un a fait ce qu'il fait, il fait beaucoup. And I know that when someone has done something, you have to recognize it. La première fois, il y a eu mon échange. The first time we exchanged, on s'est vu physiquement, and we met physically. Il y a des voitures, j'ai fait venir les voitures, mais je t'ai aidé. He said that I had some cars. Et I am going to help you. Il me soutient, gloire. And he is supporting me. For the glory of God. Donnez-moi que de me critiquer. You have to support me instead of criticizing me. Et si c'est des critiques positives, c'est bon. But if it is positive critics. Voici une action que j'ai menée, ça va plus de 9 ans. Et le monsieur vient de rendre témoignage. Ouais, ça I just ça me dit come to have a testimony. C'est des choses que j'ai oubliées. Since 9 years. Mais ça va rattraper le témoignage. You can see how powerful God is. Les actes que vous posez, que ça soit en bien ou mal, ça everything you do. Vous rattraperez un jour. Good or bad. Et là, j'ai pas de voiture. Je venais de reach you one day. Des motos, je prenais des trucs, I used to go in the villages with motorbikes. On a vécu des moments difficiles. Yes. We crossed difficult moments, difficult periods. Now people are understanding. En fait, à fur et à mesure qu'on nous parle, les gens finissent par comprendre beaucoup de choses. And when we keep on speaking about God. People are understanding now. Moi, j'ai une seule chose dans ma tête. I have one thing in my mind. Tu crois ou pas, moi, je combats. You believe or not, I fight witchcraft. Toi, tu crois ou pas, moi, je you believe or not, I am here to fight witchcraft. Que tu crois ou pas, you believe or not, moi, je suis convaincu. I'm convinced que ton problème, that your problem is witchcraft. Ça, tu peux m'arracher ça, tu peux pas m'enlever ça. It can only take me of my soul. Amen. 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 Merci, nous serons toujours prêts à vous aider. Et je dis, nous serons très bientôt en France. We'll be soon in France. Je disais ça à quelqu'un, ce n'est plus question de mois. It's not a matter of months. C'est une question de jours. It's a matter of days. Prêt. Everything is ready. Pour visiter quatre villes de la France. To visit four towns of France. Paris, nous avons Lyon, nous avons Marseille. We have Paris, Lyon, Marseille. Bordeaux. Even Bordeaux. Les propriétés des régions dont on est les nains, déjà, les salles sont déjà réservées. And all the places are ready. J'ai fait quelque chose de très grand en France. Et donc, je pense que c'est quelque chose de balèze. Parce que tout ce que tu fais, bon, même que ça soit l'ancienne équipe, qu'il ne soit plus là à la tête, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Pour que. Even if we have another staff, d'autres personnes prennent la chose. God permitted this. Voilà, donc moi, il ne peut pas laisser un problème. Hein. This is not a problem for me. Le problème ne viendra plus. But some people are saying that I won't come in France. Moi, je rentre pas. I'm just saying I cannot enter this job. Si je suis pas venu en France, je suis venu, ça fait quoi? Tout compte fait, Jésus-Christ est Seigneur, point bas. Jesus is the Lord. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nothing else. Amen. Moi, je ne fais pas de l'Europe une priorité. Non. Parce qu'on a les plateformes. My priority is not Europe. Beaucoup de villages, mais je parle sans we have too many villages here. Les gens qui ont fait des grandes études restent en Europe. Ils so many people. Ont des grandes connaissances. Pourtant, ça partait de la they have long studies. They stayed in Europe because they are afraid of Africa. I'm going to sensitize them. Leur dit and tell them de venir en Afrique. To come in Africa. Oui, parce que l'Afrique a besoin d'eux. Because Africa needs them. Et je pars là-bas pour prier pour eux. I'm going there to pray for them. Quand tu ne parles plus avec leur famille, les réconcilier avec leur famille. So that to reconcile them with their families. Parce que l'Afrique, les Africains descendent en Afrique. Because Africa, people must come down. Amen. You must come back in Africa. Amen. De la même manière, amen. Israël est en Égypte. Vous devez revenir. C'est Canaan. You must come back. Je m'adresse à tous les Africains. I'm speaking to all the Africans. L'Afrique est pour vous, Canaan. Africa is for you. Vous devez revenir en Afrique. You must come back in Africa. Vous pouvez me faire confiance. You can rely on me. Parce que chaque jour que Dieu fait, je because every day I pray for you. Je ne suis pas politicien. I'm not a politician. De la politique. I'm far from politics. Je suis en dehors de la politique. I'm out of politics. Il faut que l'Afrique se développe. But Africa must develop. Il faut que l'Afrique se développe. Africa must be developed. Oh, je suis pan-africain dans la tête. I'm pan-africanist. Voilà, pour moi, l'Afrique a besoin de se développer. Africa needs to be developed. Pan-africain. I'm pan-africanist. Ça ne veut pas dire que je suis contre les blancs. I'm not saying that I'm against. Pour moi, l'Afrique d'abord. For me. Africa must be the first. L'Afrique, c'est Jérusalem. Because Africa is Jerusalem.
Africa is my tourist land. Nous avons tout en Afrique. We have everything in Africa. Le péché, il y a Thomas. Everything. Il y a carpe et poisson ton. Everything. On a carpe ici. We have even cassava here. On a poisson ton. We have fish. Et dans Togo, il y a des problèmes. I was in Togo, I had too many problems because I was looking for cassava and fish called Gaba and Tosua. I was worrying. Tu n'es pas content. And someone asked me, y'a quoi? Aren't you pleased? Il dit Gaba. I want to eat Gaba. Y'a pas de maquiné, il va rien ici. Il dit j'ai cherché dans tout. C'est le jour, j'ai mangé beau repas, il va rien. And the day I ate my Malian food, je me sens, je me dis, à Togo, vos histoires des pâtes, à combien on mange, à combien, à combien. Même poulet, parce qu'on mange à Gaba là. Poulet, on mange ça avec à combien. Oui. Mais peut-être présent, je suis là, tu sais, c'est pour ça. Il dit chez nous, si vous connaissez Adjeké, vous allez respecter Adjeké. If you know cassava here, you're going to live what you eat in Togo. May God be blessed. We have tout ici. Just to say that we have everything here to develop Africa. C'est vrai, ton papa t'a frustré, c'est vrai. It's true that your father frustrated you. Even in witchcraft. It's true. Mais Jésus est Seigneur. But Jesus is the Lord. Jésus est Seigneur. Jesus is the Lord. J'ai le Cameroun qui se mobilise. Some people. Hier soir, j'ai eu 4 personnes. Is threatening in Cameroun. And I can come there. Ils sont prêts à m'inviter au Gabon. They are ready to invite me in Gabon. Nous sommes en train de nous mobiliser. We are pour aller au Gabon. Organizing ourselves to go in Gabon. Mais la semaine prochaine, j'irai avec le président. On n'est pas encore. Togo a besoin de moi. Non, je vais pas. Next week, we are going back to Togo. Je pars au Togo. The 11th. Of March. I'm going back to the zone. I'm going with the president. We are going for a mission. Because my presence there is necessary for them. We are going to support the family and go and put things, everything in order. I'll be there in the 11th of March. Till the 16th of March. Amen. Are they here, the people of Prabodugu? Please come here. Vous êtes venu depuis la dernière fois, par des fois pour chez vous, vous m'avez pu appeler. You didn't call me last time because we were about to go for a program. Bon, on est là chez vous le week-end. We are going in your village this weekend. Que vous voulez ou pas, you want or not? C'est là chez vous mercredi. We are going to go to village next. Don't speak, don't say that man, the prophet is afraid of the sorcerers. You have to give us courage to enter your village. Lack of motivation. Le dimanche passé, t'as appelé la last Sunday. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, last Sunday we called you. Are you ready? You said yes. Viens me voir. And I said, then you win. On Tuesday, come and see me so that we can put everything in order. Il n'a ni appelé ni les. But he didn't come. And he didn't call me. C'est moi qui appelé mercredi à 10h. I called him at 10 the next non, j'ai fait the following day. Wednesday. Le bassiste, le soliste, ils sont répartis à Bidon. Mais c'était là justement par tous les bras de nous. Ils sont tous partis. Tous les musiciens sont au complet. Lui n'est pas parti. Everyone were here. Ils sont restés parce qu'il fallait qu'ils soient là pour régler le problème de son, tout ça. Mais ça, c'est maintenant qu'on s'appelle pour venir dire que c'est reporté. Non. Dieu, c'est pas maintenant 10h. So you have to organize things before our arrival. Ça devait se régler à la, en banc, ça dit mardi. Depuis ce jour, je m'attends pour appeler. C'est moi qui appelle le président. I call the president. C'est pour lui dire, il disait, vous êtes le même canton. C'est comment on appelle le canton? You are living in le Djibwa, the same area. Tu vois tes parents? Ils vont dire, le prophète a peur des sorciers. But look at what they are doing. They are going to say that, I'm afraid of sorcerers. Moi, je te prends comme témoin. I'm taking you as my witness. Ils ne sont pas venus, ils sont venus. They didn't come or not. Je suis obligé dans une obligation. I'm obliged de partir. To go. Parce que Dieu
Because God, on doit pas jouer son œuvre. We cannot play with his actions. C'est pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a envie de faire, on n'a pas un point pour prêcher. Just to show you that we don't have a place to preach. Plus de monde à Zaroko. Nous avons un too many people in Zaroko. We can have a place to preach. C'est pour quelle raison de nous? You need us. Si on ne se sent pas dans votre manière de faire, if you don't feel you in your mind, I mean, a motivation. Beaucoup d'excuses. Lui, il peut battre le monde. Lui, c'est un grand frère. Voilà, lui, c'est un grand frère. Can be my father. Lui, peut battre my grandfather. Ça fait tout un respect que je parle. Respect. Je ne vous agresse pas dans mes paroles. I'm not attacking you. Mais un enfant peut donner des conseils. But a child can give advice. Et puis ça va aller. And everything can be okay. Nous allons vous aider. C'est pour vous aider. But we are going to help you. Il faudrait que les choses de Dieu ne soient pas faites comme ça. But things of God must be in order. Sérieux. With serious. Oui. With seriousness. C'est ça qu'il a reporté. Je n'ai pas. That's why I reported. I mean, these. J'ai été reporté. Au départ, Ahmed ne pouvait pas respirer. Présent, c'est vous ne respirez plus, on l'emmerdait. Ok. Le mercredi, on est chez vous. Next Wednesday, we are in your village. Amen. J'appelle le pasteur Serge. Tout and le we are not going to postpone it one more time. Ce soir, à partir de 20h, nous avons une réunion ici. And this night, we have a program. À 20h, the members of the staff of the ministry, we have a meeting. Non seulement préparer Bravo Dugu. Just to prepare Bravo Dugu. En même temps, il y a des personnes qui arrivent pour la connaissance. And some people are coming just to pay us visit for the first time. Qui demandait, excuse-moi, elle qui demandait, dit, la dame elle est grosse, elle fait combien en poitrine? Dis-moi, je ne suis pas là pour aller poitrine des femmes. Elle-même va te demander, elle fait quoi en poitrine? Elle dit, elle fait comment en poitrine? Dis-moi, il faut quoi en poitrine? Des femmes viennent demander, tu fais comment en poitrine? Et elle dit ton nom. Please. Give your name. Elle dit, tu fais combien en poitrine? Tu connais pas. Elle va regarder la vidéo, elle va comprendre. Elle m'a dit, mais la dame est grosse. Je dis, mais comment c'est un seul, tu demandes poitrine? Et vous, moi? Moi, je connais pas sa poitrine. J'ai fait tout ça, mes filles, amen. Elle arrive, elle sera là le mardi. She's one of my daughters is coming. Amen. Next Wednesday. Parce que we have the opportunity to be more implicated in the ministry. Voilà, donc faut que tout le monde soit là pour accueillir cette personne. Everybody must be here to welcome them. On va essayer de parler de beaucoup de choses. And we are going to speak about too many things. Elle a jamais un comité en place. Elle est en train de chercher. Elle a jamais des comités en place pour les gens qui doivent nous aider. A committee is already settled. Et moi, le comité qui est en place, il faut que chaque personne du ministère soit aidée par une personne. And everyone of the ministry must be helped by. Another one. Si une personne veut t'aider, on doit créer le contact. If someone has to be here, we must create the contact. Pour régler sans vous. So that we can regulate. Amen. Amen. Je pense everything you need. Je vous aime, j'aime cette terre. I love you. J'aime beaucoup la région de Divo. I love this area. Nous allons faire de Divo un lieu de pèlerinage. Parce que les gens vont. Divo is going to become a place where people can come and visit. À Lourdes. C'est comme les gens vont jouer à Jérusalem. Like so the way people go into Jerusalem. When people will come from every part of the world to be to come here and be delivered. Amen. On n'a pas, je sais pas mal avec vous. Il n'y a pas de palabres. J'ai simplement. I have no problem with you. Le problème de Jésus c'est sérieux. C'est pas de la musique. Just to say that the problem of Jesus is serious. Donc la parole est à votre camp. Mais tout compte maintenant. You have the floor. We are coming next Wednesday in your village. It's really about sorcerers. They can come at night and attack me if they want. If they really are, I'm coming in your village. I'm going to show them. Celui qui va m'arrêter. Si tu es toi qui es dedans, je t'attrape. The one who is going to arrest me. I'm going to kill him. Si tu es dans le village, je t'attrape. If you are in the village, I'm going to kill you. Je t'attrape. Amen. Faut me regarder si je suis là-bas, il y a dit si tu es dedans, tu n'es pas dedans. If you are a sorcerer or not, be calm. I'll be there. Bien courageux. I'm going to catch him. Parce que vous êtes venu chez moi, il y a des. Je suis dedans, je te désactive.
Et maintenant, on voit qui fait quoi, qui est qui dans le village. I'm going to deactivate you. Vous êtes prêts? If you are in the staff. C'est pas venir au cas de prier. The staff of the sorceress. Sur votre territoire. I'm going in your territory. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle délivrer le village? Do you know how to deliver a village? Je m'en fais payer une fille à Zaroko. It's not a matter of a nice program, it's Zaroko. À la rentrée du village, je descends de la voiture. Je commence à marcher. And I will start working. Tu me suis? As soon as I enter the village. If you are in, you come down. Allez dire aux gens que le prophète dit, vous allez manger. Go to tell people. Viens le mercredi au village, je viens. I'm coming next Wednesday. Tout le monde est quitté là le mercredi, puisque entre la nuit du mercredi au jeudi, on va chercher une dame qui vient pour nous aider. Donc nous, on sera là jeudi. We'll be there. Jeudi à 20h. Tu vas me voir le micro, entendre parler. Next Thursday. Parler aux sorciers. 8 p.m. speaking to sorcerers. On a la grande veillée vendredi. We have the night program. Dimanche, on finit. Friday, Saturday, and we'll finish Sunday. If you want it or not, I'll be in your village. You will come to your musician, amen. Alleluia. Amen. Quand c'est fini, vous n'avez plus de mots à dire. Vous avez trop parlé. You don't have something to say. Non, bien. Ce n'est pas question de s'expliquer, il n'y a plus d'explication. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons démarré un enseignement. We started the teaching. Nous avons parlé de la puissance de Dieu. The power of God. And we started a program of 3 weeks, a fasting period so that we can have the Holy Spirit. Amen. Then we stand up for a while. Say to someone, you are blessed. Amen. Say to someone, you are blessed. C'est trop petit. Dis à quelqu'un, tu es béni. C'est que ce monde est blessé. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. We are speaking about the Holy Spirit. Comment avoir la puissance du Saint-Esprit. How to get the Holy Spirit. Ou être témoin de Jésus-Christ. To be witness of Jesus Christ. Veuillez vous asseoir. Please sit down. Vous avez vos Bibles? Do you have your Bible? Vous avez vos Bibles? Do you have your Bibles? Alléluia. Montrez-moi les Bibles. Show me your Bibles. Nous sommes un culte. We are on the service. Dans un recours, souvent, j'ai un petit peu, je prends des versets, je parle. Mais c'est un culte. Un culte, il y a des enseignements qu'on fait. Parce qu'on you know that this is a service, so we must have Bibles. Amen. So that we can receive spiritual teachings. Les Bibles. Ma fille, ça va, je crois? Ça va? Ouais, j'ai dit que je dois m'occuper de toi. Alors, les Bibles. Do you have Bibles? Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Ça ne vous fait rien? On parle des Bibles. Vous ne devez pas savoir que. Ce sont les Bibles. Ok. Ici, il y a les Bibles. Do we have Bibles here? D'accord. Bibles. C'est tant important, vous savez. Je ne prends pas de Bibles. Bible. I'm going to have it soon. Bible. Okay. Ça me permet même de. C'est vraiment sérieux ici, l'endroit. It's really serious. Je suis en train de voir. Il faut qu'on ait au moins 200 Bibles. On va pas vous donner. I'm planning just to have 200 on Bibles. Écrit, on écrit nos adresses. Quand on démarre le culte, quand je vais prendre la parole, je suis à tout le monde. And when we are going to have start the service, quand on finit le groupe, on va prendre. Everyone is going to have a Bible. On va after you give it back. J'aime pas voir que tous les gens ne lisent pas. I don't want people to be on the service where they cannot have the possibility to read the Bible. Amen. Amen. Le quartier londonien ici, vous aimez la Bible. Amen. Ça, c'est un quartier général. Ça doit être. Quel quartier d'habitants?
Vous savez, il y a beaucoup de tranches, il y a 7 tranches, il y a 8 tranches. Ne néglige pas le frère. Donc les Bibles, que Dieu bénisse. C'est vraiment important. May God bless you. Que les dimanches, que nous arrivons à l'église avec des Bibles, c'est important. Ça n'a rien à voir avec du maraboutage. Nothing to do. C'est une église. With marabouts. C'est du christianisme. Et we are speaking about Christianity. And notre guide. And the Bible must be our guide. Le livre qui nous oriente. Amen. The book who is guiding us. On dit amen. Which is guiding us. Je disais en des. We say amen. Moi, je suis pas chrétien. Je lui dis non. C'est pas une question de religion. C'est de. It's not a matter of religion. Je respecte ta religion. I respect your religion. Jésus-Christ. But Jesus Christ. C'est une question de vie. Is a matter of life. Et ça, c'est une vie. Christianity is life. Réalité. Donc, work its realities. Si tu veux. If you want. Accepte Jésus. Accept Jesus. That's all. Amen. May God bless you. When preaching here, people are going to see us after the service. People are watching our videos after our service. I'll never go in France to have a church. They will come here. On aura très bientôt un direct. Et merci pour ceux qui ont décidé de nous donner la parole. And we soon going to have a live. Oui, hey, yeah. L'argent était donné. A live service. Vous savez, tu as mangé. Je te reconnais, hein. Ça fait longtemps que je ne vois pas ici. Tu viens d'où? Where do you come from? Là, voici là. Je te donnais un jour 100 000, non? I gave you one day 100,000. J'avais quoi l'argent? Friends. What did he do with the money? Non. Non. En fait, il voulait récupérer mon restaurant. Non, il a payé ça à la police. I wanted to have my restaurant on my own. Justement, plus l'argent n'a pas pu récupérer mon restaurant. C'est après les rester comme ça, flamant sur mon front. Donc l'argent, ce n'est plus là. Est-ce que tu m'as une fois appelé pour chercher à savoir où était? She said that she didn't have the opportunity to have a restaurant. Parce que je t'avais promis 200 000, n'est-ce pas? And she lost all the money she received from the office. Parce qu'il fallait. But did you call me? Une activité. Et ça, c'est pas l'église. The money was to start your activity. Personnellement donné. But it's not about the church. I gave it to you personally. Moi, mon salaire. Ici, c'est 200 000 francs. My salary here is 200,000. C'est pas trop long. I speak too much, isn't it? Tu viens de dire mon salaire. C'est pas trop. Mon salaire, c'est 200 000. My salary is 200,000. C'est la moitié de mon salaire que je t'ai donné. The half of my salary, I gave it to you. Et c'était tout mon salaire. All my salary. Pour voir. Just to see. Parce que pour moi, oh, mais je ne comprends pas. Faut pas être frustré, t'as compris? I'm not frustrating you. T'as compris? Pour te dire. Quand je donne quelque chose, je veux que ça. Just to say that if I give you something to do. Mais non, si tu veux, tu veux m'aider, je vais t'aider. Comment tu vas dormir? Je vais dormir. Je ne dis pas que tu dois être esclave de l'église, non. Mais je pense que tu dois être un modèle. Et quand on met l'argent, parce que tout je demande à toi. Elle est où la fille? Elle donne l'argent. Elle est où? Elle est où? Tout ça. You must be a model. Mais comment tu peux aller donner l'argent aux policiers? Every day asking about you. Where you are? Avant de démarrer l'activité, before starting an activity, je suis ton père. I'm your father. Je suis prêt à investir. I'm ready to invest. Assume même l'investissement. And then follow you in everything you do. L'église doit vous aider. Because the church must help you. Je vous assure. I'm telling you. On va vous aider ici. We are going to help you here. C'est pas les prêts. Not income. On étudie. Hey, vous les dames là. Hey, vous avez pris le nom des soeurs. Excusez-moi, je vais vous. C'est pas je vais vous dire ma fille. Did you take the names? Non, mais au propre. Et puis le numéro de toutes les. You write down their names and all their phone numbers. Nous on a le numéro de tous les gens du ministère. We have the phone number of all the ministry numbers. Cette église. And all the people coming in this church. Women. Président, lui je s'occupe de tous les hommes. And then the
The president is taking in charge. The man. On doit aussi. L'église doit servir. Il prêche à moi, mais elle doit donner à manger aux gens. The church is not wasting the time only for preaching, but we can give the possibility for people to get food. If you are a member of a church, on doit te donner ça. We must give it to you. On doit partager ça avec vous. We must share what we have here with you. C'est ce qu'il dit aux gens. That's what I'm saying. Vous prenez l'argent d'église, le pasteur seul ou la collectif des pasteurs, tous les pasteurs mondes. The only one pastor must not have the ability to get the own money of the church. Les gens prenaient ça pour payer. C'est au service de l'église. But this must be for the church. Amen. Amen. Ça va, ma fille? Tu dis que le diable bouffe ton argent. You are saying that the devil is destroying you. Toujours je m'en appelle. Elle est où la fille? Elle est où ma fille? Every day. Amen. What? Amen. L'argent I'm asking dit, about you. Ça me dit absolument rien. Mais il faut qu'on vous puisse vraiment vous aider. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer à aider cette église. We are going to start this church. Parce que le jour tu n'auras pas l'argent. Because the day you don't have, you won't have money. The devil is come. Il va te parler. To your house. Le jour je serai fait, Satan en parle à Jésus. The devil is coming closer to you. Please, we must help people. Give them food. Vous avez votre Bible? Do you have your Bible? Nous allons donner un enseignement sur le Saint-Esprit. I'm going to give you a teaching on the Holy Spirit. Et nous poursuivons l'enseignement. And we keep on this service. Le Saint-Esprit. We're speaking about the Holy Spirit. C'est un Esprit Saint. This Saint is, Esprit. It is a Holy Spirit. Un Esprit Saint. Because we say Holy Esprit, c'est spirituel. Spirit. On ne peut pas voir à l'œil nu. We cannot see. Amen. Oh, on a expliqué ici comment quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. We explained here how people can receive the Holy Spirit. We receive the Holy Spirit when we are converted and when we accept Jesus as our Savior and Lord. Isn't it? Amen. Why? Savoir qu'on est le Saint-Esprit. And how can we know that we have the Holy Spirit? La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne. The Bible says that the Holy Spirit is the witness. Que nous sommes enfants that we are de Dieu. Children of God. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is here. Te convainc que tu es enfant de Dieu. And convince you that you are il t'aide dans tes faiblesses. A kid of God. And help you. Quand tu vas faire quelque chose, tu fais la gloire de Dieu, stop. And the Holy Spirit helps you. Guides you. Avant tu faisais sans problème. Combien tu cherchais pas you used to do bad things. Les gens, tu es fait peace. Maintenant, when you have the Holy Spirit, tu as peur de peace. On n'a pas dit ton nom. You're more afraid to do bad things. Comment ça regarde? Maintenant, ça te dit plus rien. And even when people are calling you Suzanne, for bad things, c'est mon nom, non. C'est la part. You cannot watch them. So no more watch them. No. Ça s'en va. Non. Amen. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Il dit, now, pour même plus écouter les psss. I have the Holy Spirit in me. Parce que quand tu écoutes trop les psss, tu sais où psss est en vrai. The Holy Spirit lives in me. So when we have the Holy Spirit, on a la crainte de Dieu. We can fear God. Est-ce qu'on a saisi? Do you understand? Lorsqu'on nous parle de Jésus, when we speak about Jesus, lorsqu'on est convaincu qu'il est le Fils de Dieu, when we are convinced that he is the Son of God, on l'accepte comme sauveur, and accept him as a Savior, le Saint-Esprit vient en nous. Immediately the Holy Spirit comes in introduit us en nous. And introduces itself in us. Il nous dit stop. And say to us stop or not. Il faut craindre Dieu. We have to fear God. On dit amen. We say amen. Il y a à avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Before the Holy Spirit, we have to be filled with on the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. Puis être rempli du Saint-Esprit. And be filled with the Holy Spirit. C'est deux choses différentes. Two different things. C'est ce que je suis en train d'enseigner d'ailleurs. That's what I'm teaching. Deux choses différentes. Two different things. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit.
Amen. The plan of God is that you have to get the Holy Spirit and be filled with the Holy Spirit. C'est comme un verre dans l'eau. It's like a glass with water in it. Et le verre rempli d'eau. And you have to fill it with water. It's like your body. You have the Holy Spirit. And it does not. And the Holy Spirit is in you. When it's starting being you, and it's, we can see it, and we feel that this person is filled with the Holy Spirit. We can see it. We can feel it. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien écouté? Do you understand? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Oh, la dernière fois, nous avons parlé des actes des apôtres, le jour de la Pentecôte. Last time we speak about the apostles. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit. When the disciples received the Holy Spirit. Ils remplis du Saint-Esprit. And were filled with the Holy Spirit. Ils ont commencé à parler en langue de bazar. They started speaking. Ils ont commencé à parler en langue. In other languages. Oh, quand les on est remplis du Saint-Esprit. And when we are filled with the Holy Spirit. C'est une manifestation. We have a demonstration. Something is demonstrating. Et le signe, and the sign, c'est de parler en langue. Is to speak with other languages. Amen. Amen. D'autres personnes disent, non, mais parler en langue, c'est pas utile. Amen. We know that some people say it's not useful to speak in other languages. C'est pas utile. It's not useful. Because when someone speaks in other languages, when disciples were speaking in other languages, people could understand what they were saying. Amen. Amen. And the Bible says, the one who speaks in other languages is not speaking to women, to men. The one who speaks in other languages is not speaking to men, but speaking to God. We say amen. The one speaking in other languages. Let's take 14, verset 2. The verse 2 of 1 Corinthians. I like praying in other languages. I can spend 4 hours speaking in other languages. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Car celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Vous comprenez? The one speaking in other languages does not speak to man. Oh, la prière. But you know that the prayer, c'est qu'on s'adresse à Dieu. When we communicate with God, c'est ça qui est vraiment important, que tu sois rempli du Saint-Esprit. So that's why it's really important that you must be filled with the Holy Spirit and have the capacity to speak with other languages. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. And be filled with the Holy Spirit. Quand les disciples commencent à parler en langue, when the disciples started to speak in other languages, the other people started thinking that we were becoming mad. It's just because God is realizing the prophecy of John. The last days, I'll experience my spirit amongst all people. Alleluia. Oh, quand on est rempli du Saint-Esprit, and when we are filled with the Holy Spirit, il y a les dons qui vont se développer en nous. We have the capacities and the spiritual donations. C'est pas une question de classe. It's not a matter of classe. Est-ce qu'il a le don? Il a reçu un don du Saint-Esprit. Does he receive the spiritual donations? Nous allons voir parler aujourd'hui des dons spirituels et de manifestation. We are going to speak about the demonstration of spiritual power. On dit amen. We say amen. Nous prenons 1 Corinthiens le chapitre 12. 1 Corinthiens chapter 12. 1 Corinthiens le chapitre 12. On y va. Let's go. Il se dit concernant les dons spirituels, je ne veux pas prêt. Que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez, l'apôtre Paul s'adressait, n'est-ce pas, à l'église de Corinthe. En ce qui concerne les dons spirituels, was saying that, speaking about the spiritual power,
I don't want to be to live with ignorance. The church must have, this possibility and the demonstration. We must know all the power of the Spirit. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a diversité de dons. Ça dit qu'il y a tellement de dons. We have many le Saint-Esprit, vous voyez là, il y a beaucoup de dons qui spiritual sont... Spiritual powers. Il y en a tellement de dons. Too many spiritual powers. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui distribue ça. But the Spirit of God... C'est pour ça que nous devons rechercher... Is sharing it. Les dons spirituels. That's why we have to look for the spiritual dons. The spiritual powers. Pour édifier l'Église. But when you receive the mission from dons, God, pour amener les païens à comprendre que la solution à leur problème, c'est l'Église. Make know the pagans, they must discover that the solution is the church. Amen. We say amen. Oh, Dieu donne les dons pour démontrer sa puissance. God give us this power just to demonstrate his power. Pour démontrer la puissance de Dieu. Demonstrate his power. Amen. We say amen. Alléluia. Amen. We say amen. Démontrer la puissance. Demonstrate the power of God. Amen. J'avais rendez-vous avec quelqu'un. I had a meeting with someone. J'ai prié toute une nuit. And I prayed for a night. Because I knew that there were some spirits, some bad spirits. Je suis allé matin. I went in the morning. 10 heures. But from 10 a.m. Monsieur, c'est un médecin, un docteur. And that man was a doctor. Donc j'appuie sur la sonnerie. Et sa femme allait au travail. I rang the bell. Il devait me recevoir là parce que le soir n'avait pas le temps. Il avait des interventions. He should have received me because in the afternoon he didn't have enough time. J'appuie sur la sonnerie. I rang. Et du coup, c'est la servante. Elle vient crac, 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 crac. And the housewife came. Et pendant qu'elle était en train d'arriver, and when she was coming, l'Esprit de Dieu me disait, the Holy Spirit told me, tu as face à toi, un élément très dangereux. You have a dangerous man in your face. C'est ça qu'il te faut le chanter. A dangerous person in your face. C'est ça qu'il te faut le That's why you need the Holy Spirit. Avec les personnes. When you are in contact with people, ne vous dit rien. And the Spirit doesn't tell you something. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. You don't have. Ah, mon affaire est gâtée. The Holy Spirit. Ah, telle chose est gâtée. Everything don't work. Ah, ceci, cela. This and that. Le Saint-Esprit doit te parler. The Holy Spirit must speak to you. Tu dois être au stade de jeu du Saint-Esprit. You must not be on the stage of having the Holy Spirit. Non, le Saint-Esprit doit te parler. The Holy Spirit must speak to you. Because I'm speaking. The way I'm speaking. And something in you speaking to you. Strong faith. And you are convinced that someone is speaking to you. That is the voice of the Spirit of God. La vie qui est à ton arrivée. The housewife coming. Elle est très dangereuse. It's very dangerous. Donc moi je suis en position d'attente. I was ready. J'attends. In position, waiting for her. Je commence à parler en langue. Starting speaking other languages. Et effectivement, quand elle a commencé à venir, and when she was coming, j'ai senti que sa démarche, je la voyais au travers du portail. Sa démarche a commencé à changer. And where I work, elle a commencé à faire changing. C'est-à-dire, je sentais que le visage changeait. And I noticed that her face was changing. Okay, ça y est. Donc j'ai commencé à prendre les dispositions. And I started taking precautions. Prêt, toi et moi, on va qui va gagner par là. I'm ready. And I was waiting for her. When coming, je vois la question. And she tied a rubber. Il y a démons, il y a démons. Yes, we have devils and devils. Elle savait, l'esprit ici. Too many souls of devils. C'est qui au portail, c'est qui a sonné. And the spirit knew, who is at the gate. Comment vous avez le Saint-Esprit, vous parlez. Vous
Ceci dit aux gens, mais vous dirigez une église, mais plus vous dirigez vous dites pas changer ou qu'il n'est pas. And the spirit, the Holy Spirit doesn't guide you. Vous êtes des pasteurs, des hommes de Dieu. You are pastors et and not God. Aidez véritablement les personnes. And you cannot help people. Je ne prends pas le Saint-Esprit en toi. If you don't have the Holy Spirit in you, please leave the ministry. Leave it. La Bible dit. The Bible says. Un aveugle. A blind man cannot guide blind people. Non, moi j'enseigne la parole de Dieu. Et puis quoi? I'm teaching word of God. And what? Et puis quoi? What after? Un aveugle, a blind people, conduit, a blind person cannot guide. Ils tomberont tous deux dans le même. They will fall down the same trap. Hein? Même trouble, si they will fall down the same trap. Non, j'enseigne les gens. Le monsieur qui est en train d'être mangé par sorcier. The one who is being eaten by sorcerers. Elle ne s'est pas dit chercher femme de Wubuseni. Choosing our people's wives is a sin. We know. Elle va à l'hôpital, on dit, elle ne sait pas de quoi elle souffre. When she goes to church, toi, homme de Dieu, tu we say that we don't know expliquer. What she is suffering from. Vous êtes tous de la Bible. And a man of God must be able to explain it. Oui. Yes. Vous êtes tous de la Bible. You are all blind. Quand tu viens ici, when you come here, à la chair en tant qu'homme de Dieu, and speaking because you are a man of God, c'est un instrument. This is an instrument pour aider l'église. To aid the church. C'est comme quelqu'un qui est médecin chirurgien. It's like if someone who is a surgeon. Il est chirurgien, dès qu'il est chirurgien. A surgeon. On avait le cœur au bloc. And then. On ne sait pas pour opérer les gens. Bisturi, il n'a pas ça. Any operating blood? Mais c'est un problème. C'est pas le titre. And the doctor doesn't have the machines, the monsieur, necessary machines. Brûlé, on faut qu'on les mange. Parce qu'il vient faire cuite avec nous. That is the problem. La poule vient faire cuite avec nous, ma dimanche. Gloire à Dieu, amen. Glory to God, amen. Les poulets viennent faire cuite avec nous. Yes. Gloire à Dieu, amen. 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 On appelle ça bisturi. Bisturi. Amen. Le monsieur est là, il dit, je suis docteur. Mais c'est pas ça, mais... The one is saying that I'm a doctor. Please, try to operate him. Les gens viennent dans des problèmes. And he couldn't do it. Et le problème, c'est spirituel, puisque toi, tu es là. People come on church and church because they have problems. They have spiritual problems. Après avoir donné la nourriture aux gens, after giving food to people, you must be able to detect the problem. The origins of the problem. Tu n'as pas décelé le problème. And when you did not discern, you didn't see the problems. Amen. Amen. J'ai trop de témoignages ici. Too many testimonies. Le frère, t'es venu rendre le témoignage. Grébaudeur, ça longtemps. The brother from Grébaudeur. J'ai décelé tout venir le problème. He came here for his testimony. Et c'est son père, j'ai dit c'est lui là. I told him that il a récupéré le village qu'il a amené sur l'arbre. Who was destroying his et si on abattait l'arbre, the village. Le développeur pas d'aller rentrer dans le village. And if we destroy the tree, that big tree, you could have the development. And when the tree was destroyed, was cut down, the development started. Amen. Amen. But spiritually, there was another thing. Oh, Dieu donne les dons. People don't give us power so that we can use them. We cannot be a man of God. And we cannot have spiritual powers. Amen. Et regardez aujourd'hui, quand vous partez, dans ce temps, c'est pour ceux qui voyagent, qui sortent de la Côte d'Ivoire, ils voyagent, ils reviennent, vous allez voir qu'il y a un système pas possible. When, today, when la you go détection de Ebola, c'est-à-dire vous avez, there are too many precautions. Vous avez l'appareil pour détecter ta température. Et les gens, je pense à too many images. C'est quand ils demandent des lavés, people's temperature. Fruits, on lave la main avec ça, faut pour détecter l'Ebola. Amen. Vous j'ai une maladie, n'est-ce pas? J'ai une maladie. That dangerous sickness. Amen. Amen. C'est une maladie. Donc, l'État ivoirien prend tout. They have already state. Les dispositions pour ne pas que la maladie rentre dans le corps. All the dispersal so that the sickness can enter our country. L'aéroport est équipé. So the airport tous les endroits sont équipés. All the airports. Amen. Oh, s'il y a quelque chose, qu'on ne prend pas la disposition de certaines choses. But if we don't take precautions, le mal rentre. J'ai un homme de Dieu. What you are afraid can enter. Si tu n'as pas l'onction,
If you don't have anointing, il faut laisser le ministère. Please leave your ministry. Vous laissez ça. Leave it. Vous laissez. Leave it, please. Vous même pas les laisse. Please don't keep on. Leave it. Jésus. Jesus. Avant de commencer le ministère. Before starting his ministry. Il allait dans le désert. He went in the desert. Il a fait 40 jours. And spent 40 days. Dès qu'il est sorti du désert. When he went out from the desert. Il fut revêtu de la puissance de l'eau. Yeah, he received Jésus the power of God. And Jesus, our mother, il a manifesté le Saint-Esprit, il a manifesté les dons. It was a demonstration of son power. His ministry was for demonstrations. Amen. Amen. C'est that's why it's very important. De Dieu en nous, when we have the God Spirit, la possibilité de manifester we have the possibility donc, to demonstrate. La jeune fille venait juste vers moi. And the young woman was coming near me. Elle a caché bien le pari. And she tied a wrapper. Moi, j'ai déjà averti par le Saint-Esprit. I was warned. Already warned by the Holy Spirit. Là, je la guettais. I was waiting for her. Elle a ouvert le portail. And she opened the gate. Elle a pu sauter sur moi. She wanted to come. Commandez! And I commanded. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Elle a commencé à tourner. And she started tourner. Turning around. Elle a commencé à hurler. And crying. Hurler. Crying. Donc, tous turning les down. Les gens sont tous sortis de la maison. Everybody went out. From the house. Sérieux, what's happening? Il y a un monsieur qui vient. One man came here. Qui and his housewife started crying. Tout le monde sort pour la défendre. Everybody went out to help her. On sort pour défendre la sœur. Ah, c'est le prophète. No, the prophet. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Ils ont compris l'action. And they understood the deliverance as a sense people. This was that was a deliverance. Who had not said, "Was it not"? Ils ont compris. Et lui, le maréchal. They understood the action of the embarkation. Ça ne suit pas. Ils ont compris. We could not explain. Mais ils avaient peur. J'étais dans un coin. That they were afraid. Et lui, me regardait. Because they were in the corner looking at him. Le maréchal appelait sa femme. And the man called his wife. Le prophète. Ah, the prophet. La servante est tombée. Ah, the housewife is down. Le prophète. The prophet. C'est une délivrance. Deliverance.